Bonjour. Aujourd'hui, jour spécial. Relevez. Mon cher soldat, c'est porté volontaire pour aller dans l'espace. Il s'agit de Sergueï Baranov. Comme vous pouvez le voir sur ces images. Brush me. Dans 30 secondes, la fusée va décoller. C'est une grande avancée scientifique pour notre pays. Et aucun pays n'est allé aussi loin dans ce domaine. 1, 2, 3, 4, 5, 0. La fusée a décollé. Bravo. Nous allons pouvoir voir les images filmées par nos caméras. Nous avions posté les caméras dessus, en dessous, sur le côté, sur l'autre côté, une autre sur le côté, et une dernière au-dessus. Il n'y a pas eu de fusée, il n'y a pas eu de décollage, il n'y a pas eu d'explosion. Et pour ceux qui auraient cru voir une fusée décoller, vous pouvez aller après le KGB. Ils ont un très bon service client. Mais trêve de plaisanterie. Nous avons réussi à avoir une explication pour ceux qui regardent la télévision en reportage Stephen Gay. Ah, tout à l'heure, j'étais avec ma femme, là, on regarde et décolle au loin la fue... Comment ça s'appelle? Ah, la fue rien. C'est rien passé, en fait, parce que... On était à plusieurs, là, avec mon petit groupe de potes, là. Regardez, mais elle m'a rien entendu, hein. Je vous jure. Rien entendu. C'était parfait. Nickel. Voilà, voilou. Nous avons un gros problème. Je viens d'apprendre qu'une grande quantité de carrelage a été déversée dans le moteur. C'est la merde. Je vais crever à cause de ces conneries. Rejoins le plus vite possible la frontière de Kulishi. C'est un pays libre. Tu pourras y dévoiler le secret. Je veux que ce scandale il puisse dévoiler au monde entier le problème du régime de Casimir. Et dis à ma femme... Ma réputation. Comment je vais faire pour être crédible quand je vais devoir parler à mon peuple?
Au pire, devant les autres pays. Oui, et donc c'est pour ça que... C'est pour ça que je vous ai appelé, agent Alpha. Vous devez éliminer Zach Zwolf. C'est le seul homme qui a vu nos images. Je vous donne des informations le concernant. Il vient de se réfugier en Kolechi. Vous devez l'éliminer avant que notre peuple ne découvre la vérité. Il faut à tout prix que vous le tuiez avant ce rendez-vous avec les journalistes. Le mercredi 32. Et nous sommes le 31. Je compte sur vous. Mais ça se situe où, la Kolechi? Je suis sûr que c'est un pays qui n'existe même pas. Silence! Je vous fais pas pour râler, mais bien pour éliminer nos cibles. Alors foutez-moi le camp! S'il ne réussit pas, tu le tues. Et s'il réussit, tu le tues aussi. Personne ne doit savoir. D'accord? Ok. Mais qu'est-ce que je vais pouvoir lui dire? Putain, je l'ai pas tué, là, ça me saoule. Vous avez réussi à le tuer? Oui. Je peux partir? Non, attendez. Mon journal va bientôt arriver. Je veux que vous me lisiez l'article sur la mort de ce traître, si vous avez dit vrai. Fais-moi cet honneur. Le Tacléon est mort. Je répète, le Tacléon est mort. Vous n'avez pas tué l'agent Alpha? Non, je l'ai drogué. Il ne se souviendra de rien. Je vais me débarrasser son corps à la campagne comme prévu. Vous pouvez l'emballer. Une mallette d'argent vous attend dans votre véhicule. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. L'opération a été une réussite totale. Zadvorf a annoncé à la presse. C'est honteux ce qui s'est passé. On dépose quelqu'un de plus juste. Justement, on m'annonce qu'un certain briquet est un vrai que t'as pas pris pour ton esprit de ta briquette qui me rêve. Sprit de mouvement, briquette, rappel que mon rêve est pour se présenter aux élections. Merci.